toutes mes demandes que j'ai fait, j'ai eu des blocages au niveau principalement de la MDPH. C'est euh, la maison départementale des personnes handicapées, c'est l'endroit euh, c'est au niveau départemental, c'est l'endroit où ça déclare le handicap et et, et toutes les aides qui pourraient avoir autour du handicap en général. Et donc là, c'est là que ça bloque. Bah, toutes mes reconnaissances sont faites, je suis reconnue euh, handicapée à plus de 80 avec un besoin d'accompagnement, j'ai la carte de stationnement, toutes les reconnaissances sont faites, mais dès qu'il faut octroyer des aides euh, physiques, bah, surtout financières, bah, là ça bloque totalement. Euh, une chaise de douche, parce qu'on me, on me lavait sur une chaise de jardin et on devait m'attacher pour que je, me, je tienne de, dessus. Et euh, j'ai attendu un an et demi avant de le recevoir. Et ça s'est fait parce que j'ai des personnes qui m'accompagnent euh, autour de moi, des associations ou autres, qui ont. Euh, Appeler régulièrement et autres pour que j'obtienne cette chaise de douche, mais ça a mis un an et demi avant que, avant que je l'ai. Le motif qu'on m'a donné, c'est que si je remarche demain, ils vont financer quelque chose pour rien. Alors là, le fauteuil, c'est une association qui l'a acheté et qui me le prête, parce que sinon, je serais sans fauteuil, ça veut dire sans pouvoir, en restant au lit toute la journée, sans pouvoir, vu que je ne peux pas du tout marcher, je ne peux pas m'appuyer sur mes jambes. Alors je resterai l'IT toute la journée, ça veut dire pas de scolarisation, rien du tout. Euh, et ça, le fauteuil, je suis en attente depuis, bah, ça fait trois, trois ans au mois de juillet que je serai en fauteuil, et je suis en attente depuis trois ans d'un fauteuil à moi, parce que pour le moment, c'est soit des dons, soit des prêts, fauteuils que j'ai. Mon médecin traitant a été appelé par des personnes de la MDPH pour euh, avoir des renseignements sur mon, ma pathologie, alors que c'est des personnes qui ne sont pas médecins, alors euh, ils n'ont pas à savoir ma pathologie en elle-même. Et euh, il se renseigne au fur et à mesure. Quand j'ai été opérée au mois de janvier, une personne de la MDPH a appelé euh, a appelé l'hôpital de Troyes pour euh, savoir si j'avais vraiment été opérée. Et euh, alors, bah, elle n'a pas eu de réponse parce que j'ai été opérée à la clinique et pas à l'hôpital. Alors, euh, vu qu'elle n'a pas eu de réponse, pour elle, c'est que j'avais pas été opérée et que euh, et que euh, j'avais pas besoin au final d'avoir des heures supplémentaires et d'avoir un accompagnement à ma sortie d'hôpital. Directement, ils appellent les personnes sans avoir euh, le droit d'appeler sans mon autorisation et euh, sans me le demander avant, déjà avoir des renseignements vu que j'avais les papiers sur moi, j'aurais pu tout simplement leur donner, ça aurait été beaucoup plus simple que d'appeler et de faire euh, donner une ambiance de doute à tout le monde qui m'entoure.